aussi. On n'a pas le. Tu vas mettre la musique. YouTube. Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter. Bonsoir, Demi Bonne, bonsoir. Ah, donc ça fait du bien. Ah oui, il faut pas aller. Bonsoir, maman Agnès, bonsoir, bonsoir. Ah oui, il faut plus aller chez ces influenceuses-là. Ce sont les gens qui sont là pour nous distraire. Elles sont là pour nous distraire. Dans les vrais problèmes, même, elles ne posent pas. N'allons plus chez elles. Ne suivons plus les influenceuses. Ne suivons plus les influenceuses. Si tu as ton temps, tu te reposes chez toi. Je vous donne un conseil. Si vous avez un peu de temps, reposez-vous. Dormez même. Lisez. Lisez. Au lieu d'aller écouter les directs, de décryptage, de vie privée des gens, des insultes. Voilà, ça ne nous honore pas. Merci beaucoup, maman Agnès, pour les étoiles. Merci pour les étoiles. Donc, voilà, juste pour vous informer que la page de Bobitana est désormais monétisée parce que nous avons besoin de cet argent pour financer le combat. Nous avons besoin de cet argent. Voilà. Ce n'est pas l'argent qui entre dans les poches de maman Agnès ou bien de maman Brigitte ou de Frida ou de Sandy. Ce n'est pas l'argent qui entre dans nos poches en fait. C'est l'argent pour financer le combat, pour financer le combat en général. Je vous ai dit dernièrement comment est-ce que nous avons financé la logistique quand il y a eu l'événement de Bafoussam. Donc les Bobitanap sont toujours sur le terrain, que ce soit au Cameroun, que ce soit en diaspora. Nous faisons des actions, nous finançons des actions, mais nous ne parlons pas beaucoup. Voilà. Donc bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans ce direct. Ce direct imprévu parce que vous-même vous le savez, nous allons prendre le temps de pouvoir nous organiser, de vraiment concevoir des programmes de direct à partir du mois prochain. Nous allons concevoir des programmes vraiment de direct, même si c'est une ou deux fois par mois. Et nous allons agir ainsi pour être vraiment un peu plus efficaces. Voilà. Donc, le sujet de ce jour, c'est, on va parler un peu de Mirabelle. Vous savez que nous sommes des femmes. Nous sommes des femmes, nous sommes des combattantes, nous sommes des Amazones. Nous nous sommes levées pour la justice, pour une justice au Cameroun. Nous nous sommes levées pour qu'il y ait la paix au Cameroun. Nous nous sommes levées pour qu'il y ait la démocratie au Cameroun. Oui. Donc, quand il y a de l'injustice, nous les Bobitanap, nous sommes interpellés. Oui. C'est pour cette raison que nous avons porté l'affaire Mirabelle. Aujourd'hui, on va vous parler de la suite de ce qui s'est passé par rapport à l'affaire Mirabelle. Pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y aura des gens qui vont regarder ce direct, qui ne savent pas ce qui s'est passé, qui ne savent pas qui est Mirabelle, c'est normal. On ne peut pas être au courant de tout. C'est le but du direct. Qui est Mirabelle? Mirabelle est cette jeune fille, cette Camerounaise, une résidente de la ville de Douala, qui a vu son image dans une vidéo fabriquée par les militants, par trois militants du TCRN, pour nuire à Paul Tchouta. Écoutez-moi bien. Mirabelle est cette jeune fille, cette jeune Camerounaise, qui a vu dans son image dans une vidéo fabriquée par trois responsables du PCRN, dont parmi les trois, son ex-ami qui est Bapes Bapes. Bapes Bapes est l'ex-copain de Mirabelle. Il est resté donc avec ses amis. Ils ont fabriqué une vidéo disant qu'elle a eu un sextape avec Paul Tchouta. Parce qu'à l'époque, vous savez, le tribalisme est implanté dans notre pays. Donc,
Comme Paul Tchouta venait de sortir de prison, il fallait donc nuire à sa personnalité, nuire une fois de plus à sa réputation avec cette histoire parce que il était Bamileke et parce que les Bamileke sont ceux qui sont proches du MRC. Proche du MRC, Bamileke, parce que quand tu es dans le combat, tu es Bamileke. On te rapproche toujours au MRC. On te dit non, ce sont les gens du village. En fait, ça c'était l'argument de ceux qui ont nui à la vie de Mirabel. Bonsoir Serge, bonsoir. Bonsoir. Donc, en faisant cela, voilà, ils ont publié cette vidéo sur les réseaux et Mirabel a donc vu son image partout. Et vous le savez au Cameroun, quand c'est comme ça, on ne cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison, pourquoi c'est là, pourquoi. Mais les gens, les femmes commencent à juger. Quand ils ont balancé la vidéo, bonsoir Macabo de l'Ouest, bonsoir, bienvenue dans ce direct de Bobitana. Quand ils ont balancé la vidéo, voilà, les femmes ont commencé à juger Mirabel. Les femmes ont commencé à dire, oui, tu allais faire ceci, oui, comme les femmes camerounaises savent bien le faire. Je fais ce direct aussi pour interpeller les femmes camerounaises en passant. Quand nous, on cesse, je l'ai toujours dit ici, cessons d'être le juge, d'être les juges des femmes. Cessons de vouloir toujours victimiser la femme quand elle est même victime dans une situation. Bonsoir Rachel, bonsoir. Il y a des situations dans lesquelles nous les femmes, nous sommes des victimes. Mais c'est encore nous les femmes qui condamnons encore la femme qui est déjà victime. Cette fille Mirabel, paix à son âme, a vu son image sur les réseaux sociaux. Mais les femmes se sont mises à la condamner. Est-ce que c'était normal? Est-ce que c'était normal que les femmes camerounaises condamnent cette jeune fille? Déjà, la vidéo est sur les réseaux. Elle a déjà un traumatisme. Et on revient encore la condamner. Non, pourquoi elle a fait ça? Non, elle est allée sortir avec un homme. Non, 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 non. Pourquoi? Au lieu de juger, au lieu de condamner l'acte, cette publication des photos, cette fabrication, même parce qu'elle n'était même pas impliquée, hein? Elle n'était pas impliquée. Donc on a fabriqué cette vidéo pour la nuire et pour nuire à Paul Tchouta. Et elle n'a pas été soutenue. Elle n'a pas été soutenue par les femmes, ce qui est dommage. Ce qui est dommage, les femmes camerounaises, moi je vous interpelle ici. Faisons preuve de solidarité. Faisons preuve de solidarité. Nous vivons dans une société où la femme est toujours ridiculisée, où la femme est toujours rabaissée, où la femme est toujours dénigrée. Quand il y a quelque chose, c'est toujours la femme qu'on accuse. Même nous, les propres femmes, on accuse la femme. On accuse la femme, on ne la défend pas. On ne la défend pas. Pourtant, quelque chose qui a atteint la dignité. Sa dignité, qui a atteint son honneur, qui a atteint, dont elle est traumatisée. Et nous venons encore ajouter nos jugements et nous pensons quoi? Nous pensons qu'en le faisant, nous pensons qu'en le faisant, ça profite à qui? Ça profite à qui? Ça profite aux hommes? Ça profite aux hommes? On ne doit plus continuer à juger les faits, à nous, à s'auto-criminer, à s'auto-culpabiliser. Les femmes ne doivent plus continuer à s'auto-culpabiliser. Mirabel n'a pas eu le soutien des femmes. Mirabel n'a pas eu le soutien des femmes camerounaises. Non. Oui, Rachel, elles disent qu'elles veulent voir leurs enfants grandir. C'est bien beau. Mais quand il y a les sujets de société où il faut se positionner, mais ce n'est plus la politique. Quand elles sont dans ces groupes de Congossa et il y a un problème de société, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que pourquoi elle allait sortir avec un homme? Pourquoi elle a fait ceci? Elle est allée là-bas. C'est elle, c'est elle. Donc, quoi que Mirabel dise que ce n'est pas moi qui suis sur cette
sur cette vidéo. On ne la croit pas. Les femmes là sont dans les forums de Congo, ça comme tu dis, en train de la culpabiliser, en train de dire que c'est elle qui a cherché. Ce n'est pas normal. Il y a une certaine méfiance, un certain manque de confiance entre nous les femmes camerounaises. C'est quelque chose qu'on doit combattre. On doit mettre au-dessus la dignité de la femme qui est piétinée et savoir que c'est un combat qui nous concerne. C'est comme demain, ton image peut se retrouver là-dehors. C'est comme l'image. Donc vraiment, ce n'est pas une question. Ce n'est pas comme une question de Mirabelle. Que les gens sachent que c'est une question de la défense de la dignité de la femme. Bonsoir, grand prof. Bonsoir. C'est la dignité de la femme. Et si nous ne sommes pas solidaires pour défendre la cause de la femme, est-ce qu'on doit considérer un jour la femme camerounaise? La femme camerounaise ne sera pas considérée. Et voilà pourquoi on va toujours être dans le vol, on va toujours être dans l'assassinat, on va toujours être en train de tuer les gens, en train de voler. Tu vas voir aujourd'hui, on va dire qu'une femme a volé, une femme a tué, une femme a fait ceci. Mais c'est parce que nous-mêmes, entre nous, on ne se fait pas confiance. Hein, on doit... Oui, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Parce que si tu quand je parle de l'affaire Mirabelle, c'est une affaire de publication de nudité. Et je vais rebondir sur l'affaire qui a impliqué Sandy. Et qu'on a vu l'attitude des femmes par rapport à cette affaire aussi. Ça a été la même attitude que les gens ont eu sur l'affaire Mirabelle. Ça a été la même attitude. Les femmes se sont mises à juger, dire que tu es infidèle. Ça veut dire que on doit publier ta nudité. Si tu es infidèle, donc tu vas sortir avec le mari de quelqu'un. Est-ce qu'on doit publier ta nudité parce que tu es infidèle? On a publié une nudité. L'histoire d'infidélité sort d'où? Hein? L'histoire d'infidélité sort d'où si on publie une nudité? Ça n'a rien à voir. Chacun est libre de faire sa vie comme il veut. Mais personne n'est libre de publier la nudité d'une autre personne sur les réseaux publics. Donc tu peux être libre d'être infidèle. Ça, c'est ta vie privée. Ça ne nuit à personne. Il y a combien d'infidèles dans le monde? Si on veut parler seulement de l'infidélité. L'infidélité, personne ne l'a créée. C'est comme la prostitution où certains pays ont légalisé. Personne n'a créé. Personne. L'infidélité, personne. C'est un fait de la société. C'est quelque chose qu'on vit avec. Ça ne nuit à personne. Mais est-ce que publier la nudité d'une femme, c'est quelque chose de punissable, c'est quelque chose de grave? Parce qu'elle porte atteinte à la dignité humaine. C'est quelque chose de grave. Non, ne mélangeons pas souvent les choses. Sachons faire la part des choses. Ne mélangeons pas les choses. Parce que parfois, il y a beaucoup de femmes qui viennent s'ériger en moraliste. Et s'il faut même bien voir dans la vie de chaque femme, la vie de personne est rose. Hein? Tout le monde traîne des casseroles. Toute vie humaine n'est jamais un long fleuve tranquille. Aucune vie n'est parfaite. Nous ne sommes même pas parfaits. Nous sommes pas parfaits. Donc tout le monde ici traîne des casseroles. Et si on va creuser dans la vie privée de chacun, qu'est-ce qu'on va voir? C'est pour ça qu'on dit vie privée, elle est protégée par la loi. Donc ce que tu fais dans ta vie privée, c'est le domaine du privé. Et je vais arriver aussi aux publications de Port de l'Ouest sur VDK. Nous sommes ici, les Bobitana, nous sommes des femmes. Et nous devons à un moment... Quand on lit certaines publications, être capable de condamner certaines choses. Nous devons être capables de condamner certaines choses. On ne doit plus accepter que des hommes, des sexistes, continuent à nous piétiner, continuent à nous dénigrer, à nous manquer du respect. On ne peut plus continuer à cela. Il est inadmissible qu'un combattant prenne l'image, qu'un combattant parle d'une Amazone avec un manque de respect, avec des propos. Non. Vous les hommes, allez de votre côté, laissez parfois les femmes régler leurs problèmes.
Un homme qui vient écrire sur les réseaux sociaux. Une femme qui a 5 enfants, 5 pères, 10 enfants, 10 pères, ceci, cela. Qu'est-ce que tu as à foutre? Vous, les hommes, quand vous avez 10 enfants, 10 enfants, 10 mères, qui vous parle? Qui vous parle? S'il faut compter les hommes ici en termes d'infidélité, en termes de vagabondage, est-ce que vous pouvez, les femmes vous atteignent? Vous, les hommes, il y a combien de filles mères ici dehors? Combien de filles mères? Les vagabonds, ce sont vous, les hommes. Tu vois un homme, il a au moins 5 mères avec qui il a les enfants. Il laisse là-bas, il ne s'occupe même plus. Il ne s'en occupe plus. Il va ailleurs. Il enceinte une fille, il va ailleurs. Vous voulez qu'on ouvre votre page? Vous, les hommes, vous êtes les premiers à aller au Cameroun, pour certains qui sont ici. Promettre les mariages aux femmes, faire les dots, faire les cogner ou se taper la porte ou se cogner la porte dans chaque famille, on vous connaît. Faire les promesses de mariage aux jeunes filles. Vous êtes les premiers à demander les nudes des femmes, vous les hommes de la diaspora ici, à demander les nudes des jeunes filles au pays parce qu'elles sont innocentes. Vous envoyez 50 euros, 20 euros, comme elles sont pauvres, elles vous envoient les nudes. Vous les hommes, vous le faites. Qui vous a déjà parlé? Vous voulez salir les femmes? Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Parce qu'une femme est libre de faire de sa vie ce qu'elle veut. Une femme est libre autant que vous d'avoir 10 enfants, 10 pères. Oui. Vous ne pouvez pas utiliser ça pour continuer à ridiculiser les femmes. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Avant, vous faisiez ça à l'époque de nos parents. Maintenant, là, c'est terminé. Une femme fait le choix de sa vie. Elle peut choisir de ne pas se marier. Elle choisit de faire ses enfants avec les pères différents. C'est son choix à elle. Et vous devez respecter ça. Vous ne devez pas utiliser ça comme un argument péjoratif pour la dénigrer. Ah, mais non. Arrêtez ça rapidement. C'est qui ici? Allô? Allô? Je suis en direct. Hein. Ouais. Ouais. Bobby, t'en as. Je te rappelle après. Donc, comme je disais, nous les femmes aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous laisser faire. Nous ne pouvons plus nous laisser intimider. Parce que vous avez cru à un moment que c'est vous qui avez le pouvoir. Que c'est vous qui dictez la vie des femmes. C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Ah non, c'est terminé ça. C'est terminé ça. Donc, vous les combattants, moi je m'adresse à vous les combattants. Quand vous voyez que vous n'avez plus aucun argument, quand vous voyez que les Amazones sont debout et que vous ne les atteignez même pas sur le terrain, vous commencez à les attaquer sur leur vie privée. Mais si on ouvre votre vie privée, là, vous savez ce qu'on va trouver là-dedans. Si on parle de vos vies privées, vous savez ce qu'on va trouver dedans? On n'est pas dans ça. On est là pour un combat. Restons concentrés pour le combat. Respectez les vies des gens. Respectez les vies des gens. C'est comme ça. Donc arrêtez votre sexisme là. Arrêtez votre sexisme là. Respectez les vies des gens. Maman Winnie. Non, les Camerounais, c'est grave. Et ils sont les premiers à venir encore. Quand on fait comme ça, les mêmes personnes qui sont là pour te saboter, et les mêmes personnes vont encore venir en inbox te dire on fait comment, on fait comment. L'homme Camerounais, il est plus dangereux que le serpent. Vous êtes les mêmes personnes à dénigrer les femmes. Vous êtes les mêmes personnes à vouloir toujours ces femmes-là. Hein? Chop blue pot. Vous êtes vraiment les chop blue pot. Vous n'avez même pas honte. Après, si une femme l'est là, non, elle n'est pas mariée. Non, elle n'a pas ceci. Non, elle n'a pas ceci. Toujours en train de vouloir que la femme se culpabilise. Et c'est pour ça que vous avez mis ça dans la tête des Camerounaises et que les Camerounaises sont incapables de se prendre en charge. Les Camerounaises sont incapables de s'affirmer. Les Camerounaises ne se voient qu'à travers un homme. Les Camerounaises ne se voient qu'à travers un homme. Ce n'est pas bien.
C'est pour cette raison que quand une fille veut s'affirmer comme Mirabelle, elle veut s'affirmer, elle veut défier les hommes. Vous êtes toujours là à la rabaisser, à la juger, à donner raison aux hommes. Les hommes là vous ont pris quoi? Les hommes là vous ont seulement donné le charme. Les femmes camerounaises, sortez derrière les hommes. Sortez derrière les hommes. Ils méritent, ayez votre respect en tant que femme. Sachez qu'il y a des combats que vous devez mener. Tout rester derrière les hommes, supplier l'amour, supplier, supplier, supplier. Après ça, c'est toujours la déception, c'est toujours la déception. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça un moment, prenez votre destin à main. L'homme, ce n'est pas tout. On a besoin d'un homme dans la vie, oui, mais ce n'est pas tout. On peut faire sa vie sans. On peut faire sa vie sans, oui. Il faut comprendre ça, que ce n'est pas parce qu'on est avec un homme qu'on est quelque chose ou quelque... Non, la vie, c'est un choix. Chacun fait ses choix et assume ses choix. Toujours avoir un regard des femmes, toujours... La femme n'est pas un objet. La femme n'est pas un objet. Voilà, la situation de la femme au Cameroun avait un peu, si la femme était un peu considérée au Cameroun, ce qui est arrivé à Mirabelle ne devait pas arriver. Et il devait, avant de faire quelque chose à une femme, eux, ils devaient réfléchir. Ils devaient réfléchir, mais ils ne réfléchissent pas parce qu'ils savent que, hey, ce sont même les Kissa, comme on dit au Cameroun. Hey, ce sont les Kissa, on peut, elle va faire quoi? Elle va faire quoi? Puisque nous, c'est nous les hommes qui dictons tout. On vous dit que vous êtes quelque chose. On vous dit aussi que vous n'êtes rien. C'est nous les hommes. On a le pouvoir. La femme camerounaise, comme dit Winnie, doit s'émanciper. La femme camerounaise doit s'émanciper. L'émancipation, c'est de prendre sa vie, son destin en main. Oui, c'est de pouvoir s'affirmer en tant qu'une femme, en tant qu'un être humain à part entière. Un être humain qui a des droits et des devoirs comme un homme. C'est ça l'émancipation de la femme. Connaître ses droits, connaître ses devoirs. Savoir que je ne peux pas être abaissée, je ne dois pas être violentée. Je ne dois pas, je ne dois pas. Je dois m'impliquer dans les problèmes de la société. Voilà là où la femme camerounaise doit, ce que la femme camerounaise doit faire. Sortez des directs de Congo, ça. Sortez des directs où on parle de la vie privée des gens. On a vu Mirabelle ici, morte. Personne ne s'est offusqué. Même vous direz d'un Congo, ça, là, personne n'a parlé de cette fille-là. Personne n'a suivi cette affaire. Parce qu'on est toujours en train d'être dans les vies privées des gens. Si vous vous occupez de vos vies, vous n'allez même pas avoir le temps d'aller dans ces directs-là. On est toujours en train de s'occuper de la vie privée des gens. Occupons-nous de nos propres vies. Questionnons nos propres vies et demandons-nous qu'est-ce que je peux apporter à la société. Qu'est-ce que je peux apporter à la société? Mais on ne doit pas être là, être spectateur de nos vies et ne même pas prendre ne même pas lutter pour une cause. On ne peut pas continuer comme ça. Mirabelle Lingom est morte parce que elle n'a pas eu de soutien. Elle a été traumatisée psychologiquement, moralement. Oui, elle n'a pas eu le soutien qu'il fallait, ni de la société, ni de les réseaux sociaux. Elle a été insultée. Elle a été traumatisée. Elle a été violée. Elle a été insultée. Personne ne l'a soutenue. Aucune femme ne l'a soutenue. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? On ne peut pas continuer comme ça. Non. On ne peut pas. Non. On ne doit pas le faire. Non. Ça doit changer. Je vais chercher ici. Attendez, je cherche quelque chose. Vous allez écouter. Vous allez écouter quelque chose et attendez un peu. Écoutez ça, ce n'est pas long. Avant, on me menaçait par appel au message. Maintenant, c'est dans la rue. Pas des c'est Mirabelle qui parle. Mais j'ose croire qu'on a envoyé ces inconnus de me menacer. Parce que quand ces inconnus
disent qu'ils vont faire du mal à une personne qui m'est très chère, une personne qui m'est très chère, une personne qui n'est même pas Écoutez, au courant c'est de ce qui se qui passe parle. à cause de sa santé fragile, à cause de son état. Une personne qui m'est très chère, quand ces gens-là décident vraiment de dire qu'ils vont passer à la vitesse supérieure et qu'ils vont faire du mal à cette personne, je ne peux pas rester muette. C'est le rabbin qui parle, écoutez s'il vous plaît. Alors, j'aimerais vous prendre témoin que si quoi que ce soit m'arrive encore ou un seul cheveu saute sur ma tête, ces quatre individus seront tenus pour responsables. Quand je vois l'attitude de certaines femmes sur les réseaux sociaux qui se moquent de mon malheur, qui profèrent des expressions péjoratives à mon encontre sur les réseaux sociaux, je comprends vraiment que l'ennemi de la femme, c'est la femme. Je m'attendais à voir une solidarité féminine, mais non. La plupart des gens qui me soutiennent, ce sont les hommes. Je n'ai pas dit que les femmes ne soutiennent pas, les femmes me soutiennent. Mais j'ai constaté que la plupart, ce sont les hommes. Ces femmes n'ont-elles pas d'enfants? Aujourd'hui, c'est moi, de notre Seraki. Claudia et Poutine ont menti sur Mirabel. Ça, c'est Kabwa les deux qui parlent. Je ne sais pas de quoi on parle. Je sais que Poutine ne ment pas. Donc, vous avez écouté, ça c'est une interview, ce qui est passé avant, c'est une interview que Mirabel avait accordée à une chaîne de télévision. Bonsoir Védeka, bonsoir Nadine. Donc, Mirabel avait accordé plusieurs interviews aux chaînes de télévision. Donc, vous savez, vous avez vu non, ce que je dénonçais tout à l'heure. Elle a dit que elle a été soutenue par les hommes. Vous avez bien entendu ce qu'elle a dit. C'est elle qui parlait qu'elle a été soutenue par les hommes. Les femmes ont passé le temps à l'insulter sur les réseaux. Et elle a même dit dans la vidéo que est-ce que ces femmes ont des enfants? Est-ce que ces femmes ont des enfants? Les femmes qui ont passé le temps à l'insulter. Donc c'est ce que j'ai dénoncé ici tout à l'heure que il n'y a pas une solidarité féminine chez les Camerounaises. Il n'y a pas de solidarité féminine. Je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que les gens doivent prendre conscience que c'est quelque chose qui n'est pas bien et que nous devons combattre cela. Parce que ça peut pousser une femme à la mort. Si Mirabel avait été soutenue, au moins par la gente féminine, je suis sûre que peut-être cette fille n'allait pas mourir. Je suis sûre que, je ne sais, je ne suis pas Dieu, mais je pense qu'elle n'allait pas mourir. Elle allait au moins sentir que non, j'ai été victime dans une société où, parce que, comprenez que Mirabel a été victime parce qu'elle est une femme. Si elle était un homme, elle n'allait pas subir ce qu'elle a subi. Quand on publie ta photo, quand on t'implique dans une vidéo, on sort ta nudité de ses steps et tout ça, c'est parce que tu es d'abord femme. Donc c'est ton statut de femme qui a fait à ce que son image soit là-bas. Donc les premières personnes qui devaient être concernées par cette histoire, ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui devaient se lever pour Mirabel et non les hommes. Les hommes devaient venir accompagner les femmes. Mais les femmes camerounaises ne se sont pas levées. Les femmes camerounaises ne se sont pas levées. Les femmes camerounaises l'ont juste insultée, l'ont juste jugée. Et elles n'avaient plus le moral. Elle a craqué. Parce que tu ne peux pas être victime et coupable. Tu ne peux pas être victime et coupable. Mirabel a été victime et coupable. Donc, chères femmes camerounaises, nous vous invitons vraiment à changer d'attitude. Au-delà de nos divergences, sachant que nous, les femmes, on a quelque chose en commun. Parce que nous sommes femmes. C'est ce qu'on a en commun. On est les femmes et c'est ça qui doit rester. Quand une femme est attaquée, quand une femme est violentée, nous devons prendre sa défense d'abord parce que nous sommes des femmes. Oui, c'est parce qu'elle était femme qu'elle a été violentée. C'est parce qu'elle est femme que son image s'est retrouvée sur les fabriquées sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'elle est femme. Nous disons d'abord non
à la diffusion de la nudité de la femme, avant de chercher même à comprendre que qu'est-ce qui s'est passé. Si vous voyez les photos d'une femme nue sur les réseaux sociaux, les vidéos d'une femme nue sur les réseaux sociaux, première des choses, condamnez d'abord que pourquoi cette photo, pourquoi cette vidéo se retrouve là-bas? Pourquoi cela se retrouve là-bas? Condamnez d'abord cela. Avant de chercher maintenant à comprendre que qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Non. Condamnez d'abord ça. Donc, vous avez vu, et j'appelle dans la solidarité des femmes. Dans l'audio, vous avez écouté, on va maintenant revenir sur le PCRN qui est impliqué dans cette affaire. Vous avez écouté Cabral Ibi. À l'époque, quand on parlait de l'affaire, il en riait. Il en riait parce que ces quatre militants étaient impliqués dans cette affaire. Il en riait. Vous avez vu dans ce direct qu'il avait, il y a un direct là où il parlait de... Regardez. 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 Je le protégerai coûte que vaille. Comme je protège Moura. Ouais. Il l'appelle. Écoutez encore. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Vous avez compris. De quoi on parle. Je sais que Poutine ne manque pas. Poutine, c'est un gars bien. Sûr, qui a tout mon soutien. Je le protégerai coûte que vaille. Comme je protège Moura. Donc, vous avez écouté Cabral Ibi, le président du PCRN. On lui a d'abord, il a dit, Mirabel, même c'est qui d'abord? Donc, et je vous dis, à l'époque, l'affaire avait déjà éclaté sur les réseaux. Hein. L'affaire avait déjà éclaté sur les réseaux et on demandait à ce que le PCRN se prononce. L'affaire avait déjà éclaté. Mais vous voyez son attitude, l'arrogance, le mépris. Mirabel, c'est qui? Mirabel, c'est qui? Vous voyez son arrogance. Un président d'un parti politique. Député à l'Assemblée nationale. Cameroun. Ouais. Cameroun. Président d'un parti politique. Député à l'Assemblée nationale. Une affaire qui a éclaté sur les réseaux. Il vous demande que Mirabel, c'est qui même d'abord? Il ne sait même pas qui est Mirabel. Hein? Mais il défend Poutine. Il défend Poutine. Il ne sait même pas de quoi il est question, en fait. Parce que quand vous l'entendez, il dit que c'est qui? Mais il défend Poutine. Il défend ses amis. Il défend ses camarades. Donc, il ne veut même pas chercher à savoir s'il y a une justice ou pas. Il ne veut même pas chercher à savoir ce qui s'est passé. Non, il a déjà pris sa position. Je défends Poutine. Il aura mon soutien comme Nouran. Vous avez vu, il a encore ajouté ça. Il aura mon soutien. Je vais le soutenir comme je soutiens Nouran. C'est la même chose qu'il a fait quand on a... Nouran, fausse députée, Jansan, a fabriqué l'eau, ou c'est lui, c'est la boisson pour devenir... pour faire le Jansan. Quand on a parlé de ça, il était encore le premier à défendre sa députée. Mais vous avez donc écouté ça. Donc c'est quelqu'un qui est là pour défendre ces gens. Donc c'est quelqu'un qui est là qui ne cherche pas la justice. Ils s'en foutent. Si vous avez tort ou raison, non. Le président du PCRN défend ces gens. Exactement. Parce qu'ils font le sale boulot sur Facebook. Ils font le sale boulot sur Facebook. Oui. Voilà les gens qui nous représentent. Voilà des gens qui sont allés dire qu'ils vont être députés pour changer le Cameroun. Mais chers Camerounais, chacun de vous, vous allez maintenant savoir qui est qui. Hein. Quand vous voyez des choses arriver, c'est pour vous... Bref, c'est pour vous ouvrir les yeux. Les choses n'arrivent pas au hasard. Donc, c'est pour vous ouvrir les yeux. C'est pour vous faire comprendre qu'il y a des gens qui sont là devant vous, qui prétendent qu'ils sont là pour vous, mais ils ne sont jamais là pour vous. Ils ne sont jamais là pour vous. Ce Cabral Ibi, quand vous écoutez ce qu'il est en train de dire, mais il n'est jamais là pour vous.
Il n'est jamais là pour la justice. Il n'est jamais là pour quoi? Il est pour lui, pour sa gloire personnelle. Même s'il faut aller tuer pour qu'il devienne le plus grand cabal, il peut envoyer ses gens tuer. Hein? S'il faut tuer ses rivaux, il est capable de le faire. Donc, voilà aujourd'hui, les gens du PCRN, qui n'étaient même pas au courant de Mirabel, qui ne savaient même pas que cette fille existait, et qui ne défendaient que leurs camarades. Voilà qu'aujourd'hui, United for Cameroun a porté cette affaire en justice, a soutenu moralement, a soutenu financièrement le grand frère de Mirabel, René Nguet, et avec l'accompagnement d'un collectif d'avocats, dont Maître Fabien Kenyé, Maître Fous, Maître Tchakouté, avec ce collectif d'avocats, on a porté l'affaire devant les tribunaux. Mais au début, ils ont dit que on a acheté le grand frère de Mirabel, on l'a acheté chez le MRC qui est devant. Le MRC, je vous dis aujourd'hui que le MRC n'est ni de près ni de loin impliqué dans cette affaire. Cette affaire a été conduite par la société civile. Bonsoir Véronique. A été conduite par la société civile au Cameroun, par certaines personnalités, et aussi en diaspora par United for Cameroun. Envoyez les étoiles, s'il vous plaît. On a besoin aussi des étoiles. Hein, comme les... Non, vous n'allez pas seulement donner les étoiles aux influenceuses là-bas. Nous-mêmes aussi, on a besoin des étoiles parce qu'on a aussi besoin de financer le combat. On a des actions qu'on réalise et tout, et tout, et tout. Donc, motivez toutes les pages du combat qui sont monétisées. Parce que tout cet argent-là, c'est pour le combat. Ce n'est pas nous-mêmes, nous nous autofinançons. Vous le savez tous, les combattants s'autofinancent. Les Camerounais ne soutiennent pas assez le combat. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, apprenons à soutenir le combat. Le combat a besoin de finances. Le combat a besoin de finances. Vous voyez des projets au 237. On a besoin de finances pour réaliser les projets. On s'autofinance déjà, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Le peuple doit soutenir le combat financièrement. Soutenir financièrement le combat, c'est très important. Quand je parle de United for Cameroun, vous savez que les Bobitana travaillent en partenariat avec United for Cameroun. Nous sommes aussi à United for Cameroun parce qu'on estime que ensemble, toujours, tout est possible. Ensemble, nous allons plus loin. C'est pour cette raison que nous sommes très, très investis, impliqués dans United for Cameroun, qui est une organisation du combat. Et c'est là-bas que nous avons porté l'affaire Mirabel. Donc, vous comprenez que l'affaire, au départ, les gens ont cru que c'était la blague. Les gens ont cru que, non, ils vont se fatiguer. Le Cameroun, c'est pour nous. On a les longs bras. On est ceci. On va tribaliser l'affaire. On va les fatiguer. On connaît les juges. On connaît les magistrats. Vous savez ce qui se passe au Cameroun. Quand on a les relations, quand on a de l'argent et tout, on a tout. Voilà, aujourd'hui, il y a déjà 2 ou 3 jours, M. Bapes a été interpellé. Il a été interpellé, il a été arrêté. Il est aujourd'hui à la prison de Neubel. Je crois qu'il passe déjà sa 3e nuit à la prison de Neubel. Il passe déjà sa 3e nuit là-bas. Maintenant, comme il a été arrêté, voilà maintenant le PCRN qui se réveille. Vous êtes allé voir sur les forums de PCRN. Ils se sont réveillés maintenant. Ils se réveillent. C'est magnifique quand même. Hein. C'est magnifique ce que comment les gens peuvent réagir. Vraiment, c'est magnifique. Ils se réveillent maintenant. Subitement, ils connaissent l'affaire Mirabel. Subitement, ils connaissent l'affaire Mirabel. Toutes les femmes du PCRN, et ils ont 2 ou 3 députés femmes, personne d'entre elles n'avait, s'était jamais prononcé sur l'affaire Mirabel. C'était nu, venu, connu. Personne d'entre elles. Aujourd'hui, ces femmes-là sont en train de demander qu'il faut vraiment qu'il y ait une enquête. Il faut vraiment qu'il y ait une enquête sur cette affaire. Je leur ai demandé que dans les groupes, que les forums sur Facebook, aujourd'hui, vous connaissez donc que l'affaire-là existait. Aujourd'hui, vous connaissez que la nudité fabriquée d'une fille vidéo fabriquée par vos gens a été diffusée sur les réseaux. Aujourd'hui, vous connaissez
et que la fille est décédée. Vous êtes au courant aujourd'hui? Vous vous réveillez? Le PCRN, je vous parle. Vous vous réveillez aujourd'hui pour demander une enquête sur l'affaire Mirabel? Vous avez jamais parlé de ça. Vous vous êtes su. Vous avez dit que c'est le fait divers de Facebook. Que c'est une vulgaire, c'est quelqu'un qui a raconté des choses sur vous. Vous avez fermé la bouche. Aujourd'hui, votre camarade est en prison. Comme vous êtes coincé, comme vous voulez le protéger, comme vous voulez le faire sortir, vous dites qu'il faut ouvrir une enquête. Il faut voir cette affaire maintenant de manière sérieuse. Vous dites que c'est une conspiration. Vous dites que c'est. Sachez que la justice, la même justice qui aujourd'hui est avec vous, demain peut être contre vous. Parce que vous pensez que vous maîtrisez le Cameroun. Vous pensez que, comme le Cameroun est ce qu'il est là aujourd'hui, c'est vous qui avez les clés. Mais sachez que ça glisse. On est dans un pays foutu. Autour glisse comme un cuit. Ça glisse comme un cuit parce que aujourd'hui, ça peut être pour vous. Demain, ça peut être pour vous. Donc, nous sommes dans une jungle, en fait. Vous avez cru que vous maîtrisez. Mais aujourd'hui, là, vous êtes dos au mur. Vous êtes dos au mur. Et voilà une belle leçon. Personne ne doit se laisser piétiner. Mirabel a été une guerrière. Elle était une guerrière. Et elle, le combat qu'elle a mené, quand elle a vu son image, elle l'a dénoncé elle-même avec toute son énergie. Allez sur sa page Facebook, Zena la guerrière. Sa page Facebook, c'est Zena la guerrière. Si vous avez un peu de temps, vous allez sur sa page Facebook. Vous allez voir. C'était une fille intellectuelle. C'était une fille qui avait de l'avenir. Et vous avez brisé son rêve. Et vous pensez que vous pouvez... Je comprends pas. Vous pensez que c'est facile comme ça de tuer? De tuer quelqu'un et de rester impuni? Vous pensez que c'est facile comme vraiment notre Rosa Parks? Je dis, Agnès, quand je suis allée sur la page Facebook de cette fille personnelle, sa plume, cette fille, elle l'écrivait. Vous l'avez tuée, pensant que la richesse, ce sont des relations. La richesse, c'est de l'argent. Mais non, il y a des valeurs. Il y a des valeurs dans la société que les gens ont. Il y a des valeurs que les gens, certains Camerounais ont encore des valeurs. De la dignité, de la justice. Pas la racaille comme vous. Parce que vous êtes une racaille. Je suis désolée, mais vous êtes une racaille. Des députés qui sont incapables de défendre une femme, des femmes. Mais non, ça ne vaut pas la peine. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de pleurnicher partout sur les réseaux. Vous êtes en train de déjà de dire le United for Cameroun, c'est le MRC. United for Cameroun, c'est ceci. United for Cameroun, vous êtes en train de vous pleurnicher quoi? Laissez que la justice fasse son travail. C'est pas à vous maintenant de dire que on va ouvrir une enquête. Bientôt, ça fera un an. L'enquête est là. L'affaire est portée devant la justice depuis. C'est pas à vous de dire. C'est pas à vous de nous de dire ça. Sachez que justice sera rendue. Que cela vous plaise ou non. On n'a pas besoin de vous, mais la justice sera rendue. Mais... non, c'est terrible. Et croire que vous êtes des députés. Oh mon Dieu. Aïe. Vous êtes vraiment à l'image de ce pays. Vous êtes vraiment à l'image de ce pays. Un pays qui n'existe, donc un pays qui n'a ni de loi, ni rien, un pays comme ça. Un pays où on reçoit un prisonnier. On reçoit un prisonnier à la présidence.
En tant qu'Ounaki a volé les milliards, les millions, il est reçu en grande pompe à la présidence. Il n'a même pas remboursé l'argent qu'il a volé. En tant qu'Ounaki, ou c'est en tant qu'Ounaki, tu n'as même pas, il n'a même pas remis l'argent qu'il a volé. On l'a reçu en grande pompe. Un voleur. J'ai dit là bien un grand voleur. C'est l'un des plus grands voleurs de la République, ce monsieur. Il a pillé le Cameroun. Correctement et bien, il a pillé le Cameroun. Aujourd'hui, on le reçoit. C'est une star, c'est ceci. Regardez le pays dans lequel nous vivons. Et vous pensez qu'on va rester comme ça? Vous pensez qu'on ne doit rien dire? Vous pensez qu'on doit dormir? Un autre ministre, Manaou, ministre de la Santé, avec le scandale des produits de produits de Johnson, de maquillage et tout. On a vu des images il y a un ou deux jours qui va dans les marchés porter les produits et les jeter. Mais je ne sais pas comment les gens travaillent. Franchement, quand nous on vit dans d'autres pays, et ce sont ces gens-là, on nous dit qu'ils ont même fréquenté en Europe. Vous avez fréquenté en Europe, vous ne voyez pas comment les choses se passent en Europe. Vous avez fréquenté comme nous aussi, on fréquente, comme on a fréquenté ici en Europe. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un problème pour les produits de décapage. Quelle est la politique que tu, après ce scandale, quelle est la politique que le ministère de la Santé a mis sur pied pour protéger la population? Quelle est la politique? C'est d'aller descendre porter les produits des entrepreneurs, des commerçants. Mais bon, les gens ne savent même pas agir, en fait. Où est l'efficacité de ton action, monsieur le ministre? Où est l'efficacité de ton action? La lutte contre le blanchiment de la peau, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. C'est un combat qu'il faut vraiment étudier tous les paramètres. Parce que ça implique plusieurs acteurs. Ça implique plusieurs synergies. Pourquoi est-ce que les gens se blanchissent la peau? Et vous devez commencer par là. As-tu déjà mené une campagne, même à la télévision, pour valoriser les peaux noires? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a un concours au Cameroun, disons même de les gens de l'événementiel et mode. Est-ce qu'il y a un concours? Je ne sais pas. Parce que si vous constatez que le blanchiment de la peau, c'est un réel problème dans la société, c'est à vous maintenant d'amener la population à ne plus acheter ces produits. Parce que si ces produits ne sont pas achetés, ils vont fermer toutes les sociétés. Ils vont fermer. C'est à vous d'éduquer la société à dire que vous avez un danger. C'est à vous de faire des émissions à la télévision pour montrer le danger du blanchissement de la peau. C'est à vous de faire des émissions. Les gens paient les redevances sur la télévision, les gens paient des redevances sur les radios et tout ça. Quelles émissions vous leur proposez? Quelles émissions vous leur proposez pour éduquer la population? C'est à vous de le faire, d'inviter des spécialistes, des dermatologues, de tout ça, tout ce qu'ils font dans le domaine de la peau, pour qu'ils étudient, pour qu'ils disent à la population les dangers du blanchiment de la peau. Et maintenant, de réguler ou de réglementer le secteur en imposant maintenant certaines normes dans la fabrication des produits. Mais on est dans un pays où qu'est-ce qui est respecté? Où l'informel a pris le dessus. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Les gens fabriquent les huiles, on mélange les choses, chacun au marché, ils vendent quelque chose qui vient du Nigeria, la contrefaçon et tout, les gens mettent des choses, ça brûle leur peau. Regardez les peaux des femmes camerounaises. Monsieur le ministre, tu n'as pas pitié? Tu n'as pas pitié des femmes camerounaises? Va dans les villages, va dans les marchés. Tu regardes la peau des femmes camerounaises. Comme cette peau-là est abîmée. La peau des femmes camerounaises est abîmée à cause de ces produits. À cause de ces produits.
Tu n'as pas pitié. Tu penses qu'en allant jeter ça dans les marchés, ça va. Ceux qui vont ramasser là, ils vont aller vendre. Vous jetez ça comme ça, ceux, les mêmes personnes qui sont avec toi, quand vous faites les contrôles là, les mêmes personnes vont prendre ça dans la poubelle, aller vendre ça au quartier. On est dans un pays où l'informel, tu te lèves, tu sais que tu vas vendre tes choses, tu t'assois, tu vends. Tu te lèves, tu dis que tu vas fabriquer le whisky, tu fabriques ton whisky, tu vends. Tu te lèves, tu vends. Et tu vas venir réglementer quoi? Tu pars dans les marchés porter les produits des gens pour. Tu es malade? Il faut arrêter ça. Tu portes les produits des gens qui ont payé de l'argent, qui ont dépensé pour investir dans leurs affaires. Tu jettes. Tu peux faire tout ce travail dans tous les marchés. Ce n'est pas par là que le combat doit commencer, monsieur. Ce n'est pas par là que le combat doit commencer. Commence d'abord à imposer les normes dans les fabrications des produits. Aux États-Unis, bonsoir Prince. Aux États-Unis, on a la peau noire. Aux États-Unis, il y a la peau noire comme nous. Mais regarde comment les Américains font leur blanchiment de la peau. Regardez un peu, hein. Parce que le blanchiment de la peau, ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'Afrique. C'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Parce que la peau noire, c'est une peau difficile à entretenir. La peau noire est comme nos cheveux. Nos cheveux noirs sont difficiles. Les gens vont dire que on ne veut pas les mèches brésiliennes, on ne veut pas les mèches de ceci et tout. Mais pour entretenir d'abord même nos cheveux, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'entretenir nos cheveux. On est obligé, parfois obligé, d'acheter ces mèches. On est obligé. Vous qui dites aux gens que ne portez plus les mèches et tout ça, vous avez déjà fait quel programme que pour entretenir les cheveux noirs, pour que les cheveux soient bien? Vous faites quoi? Quelles études? Vous avez quel produit pour vraiment entretenir les cheveux? Il n'y en a pas. Tout est de la fabrication, chacun tâtonne comme ça là. Aux États-Unis, on fait le blanchiment. Mais la peau des gens là-bas est comment? La peau des gens est bien. Mais au Cameroun, au lieu d'aller voir, chercher comment est-ce que tu vas réglementer ce domaine pour que les femmes utilisent les bons produits en fait. Parce qu'il y a d'abord non seulement les maladies, comme le cancer et tout ça de la peau et tout, les mauvais produits. Avant même que toutes ces sociétés ne pilulent, qui les Nouran Foster ou les quoi, les Carimo et tout ça, ça c'est celles qui excellent même. Quand on parle de blanchiment de la peau, ne voyez pas, ça c'est celle qui excelle. Parce que les produits même de blanchiment de la peau, il y a des sociétés installées en Côte d'Ivoire qui fabriquent, qui sont vraiment des experts dans ces produits-là. Tout ce qui vient du Nigeria et tout. Et pendant des années, ces produits-là ont gâté la peau des femmes. Je vous dis, mais vous êtes en train d'aller viser les, ou c'est les Carimo, c'est quoi là? Ce sont même les gens qui ont l'argent, qui peuvent aller même là-bas acheter même les marques là. La paysanne, celle qui vit en Consamba, celle qui vit à Mandjo, celle qui vit à Ngelemendouka, celle qui vit à l'extrême nord là-bas, elle peut prendre l'argent pour aller acheter même Carimo, que tu allais verser le produit là. Elle va prendre l'argent. Mais elle fait le blanchiment. Avec les produits bon marché qui sont fabriqués au Nigeria, avec les produits bon marché qui viennent peut-être de la Côte d'Ivoire, et que tu ne maîtrises pas comment ça entre au Cameroun, et que ça entre par des corruptions, par des voies qu'on sait, les négociations et tout, parce que rien n'est contrôlé. Rien n'est contrôlé. Et tous ces produits sont sur nos marchés, à bon prix. Et les femmes achètent ça tous les jours. Ça gâte leur peau. Ça gâte leur peau. Regardez les peaux des femmes camerounaises. Tous ces produits bon marché sont en train d'abîmer la peau des femmes au fil des années. Mais tu ne peux pas mener ce combat. Tu vas seulement sur le marché. Non, arrêtez de tromper la population. Et les gens vont t'apprécier que non, tu travailles. Tu travailles quoi? Le problème de blanchiment de la peau, ça doit être un problème camerounais, un problème africain. Parce que l'Afrique est en train de souffrir, les femmes africaines sont en train de souffrir de ce problème de blanchiment de la peau. Bonsoir, Eugène, bonsoir.
Ici, parfois, je vais dans les parfumeries. On appelle ça parfumerie au pays. J'appelle aussi parfumerie ici. J'y vais. Je vais acheter souvent des produits. Arrivé là-bas, je vois des femmes. Les produits de blanchiment de peau, ils sont toujours gardés. On ne les, parfois, on ne les met pas sur les rayons. On les garde. Les femmes viennent acheter ces produits-là. Et après, certaines femmes achètent même pour les enfants. Donc, imaginez que les femmes ont les enfants, accouchent. Elles voient que l'enfant là est trop noir. Il faut que sa peau devienne un peu claire. Elles achètent déjà les produits pour rendre son enfant clair. Voilà le combat que tu dois mener, monsieur le ministre. Voilà le combat que tu dois mener. Parce que le blanchiment de la peau est déjà en train même de les enfants sont déjà, les mamans veulent déjà, blanchissent même pas veulent. Il y a des mamans qui blanchissent les peaux de leurs enfants déjà. Parce qu'on fabrique déjà les produits éclaircissants pour les enfants. On fabrique déjà les produits éclaircissants pour les enfants. Est-ce que c'est bien alors? Non, ce n'est pas un combat à prendre à la légère. C'est un combat qu'il faut mener sur plusieurs fronts. Sur plusieurs fronts. Sur la prévention. Il y a la prévention, il y a la sanction, il y a la réglementation. Il faut prévenir. Ça veut dire créer des émissions, mettre en confiance les femmes, informer la population. Voilà où tu dois, monsieur le ministre, avec d'autres ministères, travailler avec le ministère de la femme, le ministère des affaires, avec d'autres ministères, santé et tout ça, la recherche scientifique, tous les ministères, travaillent beaucoup de ministères, pour prévenir la population à travers les médias et tout, tous les canaux. Il y a tous les canaux où on peut informer la population. Même par les affiches dans les marchés. Vous allez dans les marchés, vous affichez les photos des belles filles noires et dites non, non à l'éclaircissement de la peau. Non à l'éclaircissement de la peau. Si vous mettez ça dans tous les marchés, une femme va sortir. Quand elle va venir acheter le produit là, elle va voir et vous prenez les photos où vous voyez les femmes qui ont éclairci la peau et que ça a gâté leur peau. Vous prenez les photos comme ça, vous affichez sur les marchés. Vous dites, voilà ça. Quand vous voyez, si vous êtes ici en Europe, vous voyez la publicité parfois de la cigarette. Comment est-ce que le gouvernement fait la publicité de la cigarette? Regardez, prenons l'exemple seulement de la cigarette. Quand tu achètes la cigarette, tu fumes. Le gouvernement met sur les paquets de cigarettes les photos des gens. Quand vous regardez la photo des paquets de cigarettes, vous voyez quelqu'un là qui est comme ça. Son poumon est comme ça. Les images sont affreuses. C'est comme ça. Vous voyez comme ça. Vous pensez que... Bonsoir à Senganko. Vous pensez que ça, c'est l'information. Ça, c'est la sensibilisation de la population. Regardez bien. Donc, monsieur le ministre gagnerait à imposer au moins à tous ceux même qui vendent ces produits-là les images affreuses. Donc, mettre sur les produits-là que les images affreuses. Vous voyez les paquets de cigarettes. Quand tu achètes un paquet de cigarettes ici, on décrit sur ça que la cigarette nuit à la santé. Bonsoir, Blaiseau. La cigarette nuit à la santé. On écrit là sur ça. La cigarette nuit à la santé. Voilà une politique de prévention qu'un gouvernement sérieux fait et que ça porte des fruits. Ça ne sert à rien d'aller dans les marchés, comme j'ai vu, porter les choses des gens balancer. Ça, c'est du barbarisme. Ça cache même des règlements de compte et tout. Voilà comment un pays est gouverné par des barbares. Par des gens qui n'ont rien dans la tête, aucune imagination. Vous pensez qu'on doit rester là, qu'on doit les applaudir, on doit les chasser. Peuple camerounais, nous devons chasser ces gens-là. Chacun doit prendre la responsabilité, comme m'a dit le président élu, d'être acteur de ce combat. Parce que ce combat que nous menons, ça vaut la peine d'être mené. Parce que au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que nous voyons ce qui se passe autour de nous, nous comprenons que nous devons rester debout pour libérer vraiment notre pays parce que nous sommes vraiment dans la merde. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre,
Je parlais ici de problèmes de blanchiment de la peau de ce ministre Manaouda Malachi qui allait jeter les produits. Et je critique, je dénonce cette manière de faire. Parce qu'il y a des mesures plus efficaces qu'il peut entreprendre à long terme. Des mesures efficaces à long terme qui porteront leurs fruits. Ça, ce qu'il a fait, c'est de l'agitation. C'est du barbarisme. Et c'est comme ça que notre pays est gouverné. On libère quelqu'un qui a volé des milliards, des millions, des milliards. On le reçoit à la présidence, on l'acclame. On l'acclame à Tangananguna, on l'acclame. On acclame les criminels. Parce que si nous n'avons pas de route, si on n'a pas de l'eau, si on n'a rien, les enfants sont à la maison, il n'y a pas de travail. 30 ans, 35 ans, les enfants sont là. Ils ne peuvent pas se marier. Ils ne peuvent pas avoir une vie de couple. Ils n'ont rien. Ils ont tous les diplômes, master, tout. Pour ceux qui peuvent s'en sortir, ils doivent voyager. Et vous connaissez les souffrances qu'il y a ici en Europe. Quand un enfant a le bac, pap, il veut voyager. Il veut seulement partir. Les parents sont fiers que les enfants quittent le Cameroun. Pourtant, le Cameroun les a formés. Un pays forme les gens et puis tous les enfants d'un pays et tous veulent partir. Tous veulent partir. Et on part comme ça, où? On part chez les gens qui ne nous aiment pas. Ce n'est pas que c'est ici que vous allez trouver le paradis. Ce n'est pas que c'est ici que le blanc nous accueille comme ça. Tu viens ici, tu as fréquenté le blanc, te dit que non, c'est ça que tu mérites. Tu as le diplôme, mais non, le blanc te dit que non. Lui-même, il a ses, le blanc même, lui, il a ses citoyens. On te dit que non, c'est ça qui te mérite. Ce n'est pas que c'est ici, on est bien. On n'est pas bien ici. Si notre pays était bien gouverné, beaucoup seraient rentrés, être utiles. Beaucoup seraient rentrés développer le pays, pas de rester ici dans le stress permanent. Bonsoir, Jacqueline. Pas rester ici dans le stress permanent. Non. On reste dans un pays où certaines personnes sont là. Ils volent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils établissent le tribalisme partout. Les faits divers tous les jours. Ils appauvrissent la population. Voilà. Ils se maintiennent au pouvoir. Un président de la République, on ne voit jamais. Il n'est plus là. Il n'entend pas. Il ne parle pas. Mais le pays est gouverné comment? Le pays est gouverné comment? On ne le voit jamais. Il ne parle plus. Il n'entend plus. On voit seulement les gens à la présidence. Donc c'est un groupe d'amis. Constatons la vacance du pouvoir et exigeons vraiment que ces gens-là partent. Le peuple camerounais doit s'organiser. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Et attendre 2025, on a dit qu'on s'inscrit. Je vous ai dit ici que si on attend ces gens-là, on dit qu'on va s'inscrire sur les listes électorales. Après ça, on va ceci, cela. Les gens-là peuvent nous cibler. Restons éveillés. Restons éveillés et préparons-nous vraiment. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Préparons-nous, mettons-nous dans notre tête qu'on doit chasser ces gens-là. Mettons-nous dans notre tête qu'un déclic se produit comme ça, bang, tac. On met ces gens-là dehors. Ces gens, ils ne peuvent plus continuer. Ils ne peuvent plus continuer à nous malaxer comme la banane. Non, on ne peut plus. On ne peut plus. Non. En tout cas, moi, je ne peux plus. Je ne peux plus. Quand je vois le degré, encore avec la vie chère, ce qui est encore venu sur ma tête, même ici en Europe, je vous dis que ce n'est pas facile. Le prix de l'énergie, le prix de tout a augmenté. Les Européens ne savent plus à quel sens se vouer. L'électricité, c'est devenu quelque chose de... Tout est cher. Tout est devenu cher. La vie est devenue compliquée. Même ici. Encore plus chez nous. Où des gens dorment. Où des gens sont là pour voler seulement. Qui ne pensent même pas qu'il y a des gens... Que les citoyens existent. Que les gens ont besoin... De manger, où les gens n'arrivent même pas à manger. Combien de fois, comment on va souffrir chez nous? On va souffrir. Les conditions de vie vont s'aménuiser, vont continuer à dépérir de jour en jour. On ne va pas s'en sortir. Donc, il est temps que nous restons éveillés. C'est pour cette raison que nous devons continuer à soutenir ce combat.
C'est pour cette raison que nous devons continuer à lutter, à nous impliquer. J'en viens maintenant à la grande manifestation qui est organisée le 17 à Paris. Oui, la diaspora camerounaise, les combattants, les Bobitanap, le CCD, les Amazons de France, toutes les entités de combat, United for Cameroun, toutes les entités de combat que vous connaissez, organisent la grande manifestation, la grande rentrée politique, activiste, le 17 octobre à Paris, 17 novembre, pardon, je suis loin, hein, le 17 septembre à Paris. Vous devez être là. Parce que le gouvernement maintenant se dit que ah, on a fatigué les gens là. On les a fatigués durant 3 ans. Ils ne peuvent même plus rien. Et oui, ils nous ont fatigués. Ils nous ont fatigués. Mais nous sommes debout. Ils nous ont fatigués parce qu'ils nous ont même infiltrés. Ils nous ont même infiltrés. Mais nous sommes debout. Ceux qui sont debout resteront debout. Nous sommes debout, nous allons rester debout. Et avec vous, personne de nous ne doit désespérer. Nous devons continuer ce combat. Donc le 17 septembre à Paris, sur la place de la République, nous avons un rendez-vous. Un rendez-vous du combat pour dénoncer la guerre aux oiseaux. Parce que quand je vous dis que le gouvernement nous a fatigués, même les Amazoniens, le gouvernement fatigue. Les gens meurent aux oiseaux tous les jours. Hein. Ne pensez pas que on ne relaie plus, on ne parle plus parce que c'est fini. Non, la guerre continue aux oiseaux. La guerre continue aux oiseaux. Les civils continuent à mourir aux oiseaux. Les militaires camerounais continuent à mourir aux oiseaux. Nous devons exiger la fin de cette guerre. Nous ne devons pas faire comme si cette guerre est terminée. Ça veut dire que nous abandonnons nos frères. Nous devons continuer à exiger la fin de cette guerre. C'est pour cette raison que nous devons être à Paris. En plus, nous avons nos frères, nos sœurs qui sont toujours maintenus dans les prisons infestes du dictateur. À Douala, à Yaoundé, on a les prisonniers du MRC. On a les prisonniers anglophones qui continuent à périr là-bas. Ils n'ont rien fait. Seulement un moindre soupçon. Seulement parce que tu veux le changement. Parce qu'ils ont dit on veut le changement. On les a tous mis en prison. Et nous ne pouvons pas les abandonner. Nous ne pouvons pas les abandonner, nous ne devons pas les abandonner. Nous devons continuer à marcher pour eux. Nous devons continuer à exiger leur libération. C'est notre devoir. Vous avez vu l'exemple en Afrique du Sud, quand on a arrêté Nelson Mandela et les gens de l'ANC. Ils étaient toujours dans la lutte. Ils ont lutté pendant combien d'années? Mes frères et sœurs, nous sommes à 4 ans, certains sont fatigués. Il est normal que vous puissiez à un moment prendre un peu du recul. Oui, on est fatigué. On peut être fatigué. On n'est pas des machines. On n'est pas des machines. Si quelqu'un est fatigué, qu'il prenne un peu du recul. Mais qu'il revienne. Mais qu'il sache que le combat continue. Et que ce n'est pas de l'échec. Si le dictateur est encore au pouvoir, ce n'est pas un échec. Je vous ai dit, le jour où le type va partir, certains même ne seront même plus là. Peut-être qu'on ne va même plus faire les directs. Certains vont croire que non. Ah, ce n'est même pas à cause de nous. Mais tout ce que nous sommes en train de faire depuis 4 ans, tout ce que les gens ont fait depuis 30 ans, un jour, ça va payer. Et ce jour-là même, on s'attendra le moins. Parfois, on dit que c'est quand tu as longtemps cherché que tu finis par trouver sans chercher. Quand tu as longtemps cherché, tu finis par trouver sans chercher. Juste pour vous dire que le jour même que le monsieur là va partir, on sera peut-être en train de se coucher. Peut-être on sera en train de dormir.
On va seulement écouter qu'il n'est plus là et qu'il est parti. Mais sachez que ce jour-là, nous devons être contents. Nous devons être contents ce jour-là parce que ce sera le fruit de tous nos sacrifices. Ce sera le fruit de tous nos sacrifices, de tous ceux qui sont impliqués depuis des années, de tous ceux qui sont impliqués depuis quand, de tous les combattants. Ce sera le fruit de tout ça. Et ça va arriver. Ça va arriver, mais nous devons rester éveillés. Nous devons rester éveillés. Oui. Éveillés et motivés. Donc, le 17 à Paris, venez nombreux pour exiger la fin de la guerre au Nozo. Venez nombreux pour exiger la libération des prisonniers politiques. Venez nombreux pour exiger la réforme du code électoral consensuel. Le 17 à Paris, c'est l'événement, c'est le jour où la diaspora doit passer un message à la dictature de Biya. Et nous devons passer tous ce message parce que 90% des Camerounais veulent le changement. 90% des Camerounais en ont marre de ce régime. 90% des Camerounais ont déjà tourné le dos. Ont déjà tourné le dos à ce régime. Donc venez vous exprimer ce jour-là. N'ayez pas peur qu'on va prendre votre photo, vous n'allez plus aller au Cameroun. Ils vont prendre les photos de qui, les c'est qui. Ça, c'est le moyen d'intimidation. Il ne faut pas céder à ça. On ne va pas prendre les photos de personne. Donc venez même anonyme. Venez anonyme dans le assister à la marche. On ne va pas publier vos photos sur Facebook. On publie la photo des combattants sur Facebook parce que nous, là, on a déjà, nous sommes impliqués. Il faut des gens visibles, il faut des gens qui ne sont pas visibles. C'est le combat. Le combat, c'est un tout. Et dans ce tout, chacun doit jouer son rôle. Donc, on a besoin du nombre ce jour à Paris, le 17 à Paris. On a besoin de tous les Camerounais. Au moins 90% des Camerounais de la diaspora veulent le changement. Parce que quand vous allez au pays, il y a beaucoup d'amis qui sont allés au pays, qui sont revenus. La situation au pays, quand on te raconte, c'est catastrophique. Les amis vont au pays, on rentre. Ouais, Annie, vraiment, le pays est gâté. Annie, rien ne marche au pays. Annie, les routes. Annie, ceci. Annie, cela. Annie, on a coupé la lumière tel jour. Oh, c'était comme ça, c'était comme ça. Rien de positif. Le seul truc positif qu'il y a au pays, c'est que les gens vont se ressourcer. Les gens vont se ressourcer. Mais même pour se ressourcer, la route, même pour aller dans le village, il n'y a pas. Il n'y a pas. Les mentalités même des gens, il n'y a rien. Donc, les gens rentrent du pays toujours déçus. Toujours déçus. Ils ne sont pas contents quand ils rentrent de leur pays. Et tout ça, ça doit changer. On ne doit pas laisser une minorité, un groupe de personnes arracher notre joie de vivre. Le Cameroun appartient à tous ses enfants. Le Cameroun nous appartient à nous tous. Nous ne devons pas laisser un groupuscule de personnes prendre notre joie de vivre. On ne vit pas deux fois. Ce combat que nous menons, on ne vit pas deux fois. Bientôt, on va être vieux et tout, sans avoir la joie comme on avait avant d'être Camerounais. Non. On doit se retrouver à Paris le 17 septembre, sur la place de la République. Donc, venez, soyez nombreux. Soyons nombreux. Nous serons là. Les Bobby Tanap seront là. Donc, venez voir les Bobby Tanap. Venez voir les Bobby Tanap. Nous vous invitons, nous vous interpellons, nous vous demandons d'être à Paris parce que nous serons sur le terrain. Donc, vous savez que quand nous sommes là, ça se gâte. Quand nous sommes sur le terrain, on tchakala seulement tout. On gâte tout. On gâte tout. Hein? Donc, venez à Paris. Les lions Bobby Tanap seront sur la place. Donc, on va Tanap. Hein? Donc, voilà. Donc, venez. On va Tanap pour revendiquer. On va Tanap pour nous. Pour nous indigner. On va Tanap. Donc, voilà. Dans le but de mon direct ce soir, c'était vraiment
de vous entretenir sur ce sujet de Mirabel pour ceux qui vont voir le direct, parce que parfois le direct est long. Il y a certains qui vont voir la fin, certains qui vont voir au début, certains qui vont écouter au milieu. Voilà. Pour ceux qui vont écouter à la fin, nous avons dénoncé ici l'attitude des femmes camerounaises à prendre des positions, à toujours vouloir culpabiliser les femmes. Donc nous voulons que les femmes camerounaises soient de plus en plus solidaires. Quand une femme est impliquée dans une affaire, ayez le réflexe d'abord de soutenir la femme. Parce que n'oubliez pas, la femme, c'est le sexe faible. Il y a tous les textes de loi qui soutiennent les hommes en général. Mais les femmes et les enfants ont aussi les textes qui sont seulement, qui les concernent, qui ne concernent pas les hommes. Donc il y a les textes internationaux qui soutiennent seulement les femmes. Hein? Donc c'est pour vous dire que si les gens se sont assis pour protéger les femmes, ça veut dire qu'ils savent que déjà à la base, la femme est une victime des hommes. Nous vivons dans une société sexiste. Et c'est pour ça que la femme doit être protégée. Donc, si vous voyez une image d'une femme bafouée, n'ayez pas déjà le réflexe de dire que vous soutenez l'homme. Ayez le réflexe de dire que vous soutenez la femme. Parce que dans la plupart des cas, la femme est parfois victime. Donc, nous avons attiré votre attention sur ça parce que Mirabel a été victime de l'indolence, de la non-assistance à la personne en danger. Elle était en danger. Les femmes camerounaises ne l'ont pas soutenue. Les femmes camerounaises l'ont jugée. Et nous ne devons plus faire cela. La femme camerounaise doit cesser de culpabiliser les femmes qui sont des victimes. On ne peut pas être victime et être coupable. Non. On ne peut pas voir ces images balancées sur les réseaux sociaux. On ne peut pas voir ces images fabriquées et venir qu'on vient nous dire que tu faisais quoi, tu as sorti avec un homme marié, tu as fait ceci, ceci. Non. Il ne faut pas mélanger les choses. Le problème d'abord, c'est quoi? C'est la publication des photos. Il faut d'abord condamner ça. Avant d'aller jouer les moralistes. Condamnez d'abord les hommes qui publient les photos. Condamnez d'abord les hommes qui fabriquent les vidéos. Après, maintenant, vous allez faire la morale. Une chose après l'autre. Une chose après l'autre. Parce que si elle n'était pas une femme, son image n'allait pas être là. Parce que si elle n'était pas une femme, on n'allait pas fabriquer une vidéo. Donc, nous sommes victimes de notre appartenance au sexe féminin. Et ça, c'est ce que nous avons en commun. Et chaque femme, avant de condamner une autre, doit déjà prendre conscience de cela, de ce qui nous unit, c'est notre féminité. Et notre féminité qui est remise en question, notre féminité qui est bafouée par les hommes, nous devons savoir protéger, nous devons savoir défendre notre féminité avant toute chose. Ça, c'était mon message aux femmes camerounaises. Et maintenant, aux dirigeants du PCRM. C'est bien qu'on vous ait réveillé. Vous avez dit dans une vidéo que vous ne connaissez même pas Ké Mirabel, le président du PCRM. Aujourd'hui, Bapes est en prison. Vous vous êtes réveillé subitement. Vous êtes sorti de votre sommeil léthargique. Vous savez maintenant Ké Mirabel. Vous êtes en train de demander l'enquête. L'enquête suit son cours. L'enquête suit son cours. Et toutes les victimes seront appréhendées. Vous allez payer pour ce que vous avez fait à cette fille. Vous allez payer. Vous allez payer. Nous, la justice divine, pas jouer. Vous allez payer. Voilà. Donc ne vous tordez pas à vouloir manipuler les choses et tout ça. Vous allez payer. Et à la fin, nous vous convions tous à la grande manifestation organisée par... Merci, Pat. Envoyez même les étoiles, non, vous? Envoyez les étoiles à Bobitanap. C'est pas mes étoiles. Envoyez les étoiles à Bobitanap. Donc, nous vous convions tous à la grande manifestation qui aura lieu le 17 septembre à Paris, sur la place de la République, je crois, à partir de midi. Et partagez l'info autour de vous et rassurez les Camerounais qu'on ne va pas filmer les gens.
les photos des gens ne vont pas se retrouver sur la toile et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de mesures d'intimidation du peuple, du pouvoir, et les gens ne viennent pas aux manifestations. Pourtant, tout le monde veut le changement. Il faut vaincre la peur. Vaincrons la peur. Et nous devons vaincre la peur et vouloir, et franchement, nous devons affronter nos difficultés. Nous devons affronter nos difficultés. Donc la diaspora camerounaise doit répondre présente le samedi le 17 septembre. Répondons présent à l'appel des combattants. Parce que ensemble, c'est possible. Ne laissez pas ce combat aux mains des combattants que vous voyez sur les réseaux, dans les directs et tout. C'est pas leur combat. Le professeur Maurice Kamto nous a passé un message à Bafoussam. C'est un combat collectif. Et chacun doit jouer sa partition. Donc, soyons à Paris le 17. Si vous êtes combattant non-aimé, vous allez être dans la foule. Personne ne va vous filmer. Personne ne va vous filmer. Donc, n'ayez pas peur des intimidations. N'ayez pas peur des intimidations. Je peux vous comprendre. Je ne vais pas dire que non, vous avez peur. Non. Je peux vous comprendre, mais que cela vraiment ne vous effraie pas et que vraiment la flamme du combat qui est en vous doit rester allumée. Croyez en vous. Croyez en votre combat. Croyez au fait que vous voulez un Cameroun nouveau. Ce Cameroun nouveau, nous le verrons. Croyez en cela. Ayez des convictions fermes que personne ne vous effraie, que personne ne vous manipule, que personne ne vous influence. Mais croyez en vous. Croyez que moi, j'ai mon rôle à jouer. Je ne veux pas laisser mon combat aux combattants. Je ne veux pas laisser mon combat aux Bobitana. Moi aussi, je vais combattre. Chacun a sa manière de combattre et chacun peut trouver, doit trouver sa place dans le combat parce que c'est un combat pour nous. C'est un combat qui nous appartient. C'est un combat qui nous appartient. Parce que la libération de notre peuple sera notre libération. Sera notre libération. Notre peuple, notre pays va se développer. Ce sera notre développement. Notre pays aura l'alternance de la démocratie. Ce sera notre démocratie. Notre pays aura des une justice juste, des juges compétents et tout, des médecins, des hôpitaux. La moralité va changer. Et il y aura des... Ça sera notre victoire à nous tous. Parce que je ne vous dis pas, quand aujourd'hui on nous dit une femme a découpé une autre pour un problème d'argent. Pour un problème d'argent. Une femme a découpé. Quand tu écoutes une histoire pareille, tu as les larmes aux yeux. Tu as les larmes aux yeux. Merci beaucoup, Pateyebe. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci beaucoup. Tu as les larmes aux yeux. Tu te dis, Seigneur, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Il n'y a plus de valeur dans notre société. Il n'y a plus d'humanité dans notre société. Mais ça, c'est dû à 40 ans de pouvoir aux gens qui nous gouvernent parce qu'ils n'ont aucune humanité. Ils n'ont pas d'humanité. Ils n'ont pas de sentiments, comme on dit souvent. Ils n'ont pas de sentiments. Les gens qui nous gouvernent, ils n'ont pas de sentiments. Donc, chacun doit s'approprier le combat. Bonsoir, maman Justine. Oh, toi, tu es venue à la fin. Moi, le direct est déjà fini. Le direct est déjà fini. Donc, voilà, rendez-vous à Paris, le 17. Et nous serons là. Toutes les Amazones seront là. C'est la rentrée politique. C'est la rentrée activiste. Voilà, le combat continue. Et voilà, donc... Et ne ratez pas aussi le rendez-vous sur la page de United for Cameroun avec Nadine tout à l'heure pour soutenir Winnie Savannah qui a été victime à Lyon de la barbarie des gardes de corps de Mbia. Vous savez que Winnie Savannah a tellement souffert, elle a été bastonnée par les gardes de corps, elle a passé au moins une année étant alitée. Elle a tellement souffert de ce combat. Elle est une martyre de ce combat. Malgré tout, ne mettez pas, ne jugez pas, ne dites pas, elle a fait ci, elle avait fait ça. Arrêtons parfois les jugements. Arrêtons parfois les jugements. Les gens peuvent être divergents, mais ce qui nous unit, c'est le combat. Ce qui nous unit, c'est le combat. Winnie Savannah, c'est une combattante. Et vous avez vu son pied qu'on a cassé. Vous avez vu pendant comment elle a souffert. Aujourd'hui, elle est en train de traîner cette affaire en justice. Et elle est en train de gagner.
Et nous devons la soutenir pour les frais de justice, pour l'aider. Vous savez, en Europe, les frais d'avocat et tout, c'est pas quelque chose qui n'est rien. Donc, nous devons la soutenir dans ce combat juridique qu'elle est en train de mener. Elle est tombée, elle était tombée sur le champ de bataille. Nous ne devons pas l'abandonner. Si vous avez 5 euros, 10 euros, vous pouvez l'aider. Ce n'est pas le montant qui est important, mais c'est le geste. C'est le geste. C'est la compassion. C'est le fait de comprendre que, ouais, c'est une camarade de lutte qui est tombée. C'est une camarade de lutte qui a besoin d'un soutien. C'est juste le fait de comprendre cela. Et de ne pas juger. De ne pas comprendre, de ne pas... Ne soyons plus dans les jugements, s'il vous plaît. Mais que chacun soit concentré sur le combat. Que chacun retienne ce qui est bien de l'autre. Ce que l'autre a fait de bien. Et oublie ce qui n'est pas bien. Parce que ce qui nous retient encore, comme je dis, ce qui nous unit encore, c'est ce combat. C'est la soif de la libération de notre pays. C'est ça qu'on a en commun. Et c'est ça qu'on doit vraiment mettre en exergue. C'est ça qu'on doit considérer. Donc ce soir, sur la page de United for Cameroun, connectons-nous dans ce live qui sera dirigé par Nadine Vedeka et Winnie Savannah pour le soutien à sa cause, à sa procédure judiciaire. Et je vous ai dit, ce n'est pas le montant qui compte, juste un geste. Parce que ce qui est sûr, elle va payer une bonne partie parce que c'est un montant qui est colossal. Mais elle ne peut pas, on ne peut ne pas vous informer. Le peuple de la résistance doit savoir ce que les combattants vivent. Hein? Vous devez savoir ce que les combattants vivent. Si Winnie vient devant vous, elle doit vous devez savoir ce que nous vivons, ce qu'elle endure en ce moment, ce qu'elle est en train de traverser seulement en pensant comment payer les frais de justice. Elle a déjà payé certains. Et maintenant, vous devez savoir qu'elle est en train de payer ça. Et ceux qui peuvent l'aider, aidez-la. Ceux qui ne peuvent pas, n'aidez pas. Mais ne soyez pas dans le jugement. Ne soyons pas dans le jugement. Ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. Donc, voilà. Bah, moi, d'abord, je vous ai dit, ceux qui peuvent l'aider, l'aident. Ceux qui ne peuvent pas, n'aident pas. Évitons les jugements. Ça ne nous avance pas. On a un seul ennemi. C'est le dictateur. Un seul ennemi, le dictateur. Et tout ce qui se passe dans le combat, on ne peut pas toujours être d'accord. On ne peut pas être d'accord sur tout. Tu es d'accord pour une action, aide, soutiens l'action. Tu n'es pas d'accord, tu ne soutiens pas. Mais ne sois pas dans le jugement, ne dis pas, ah non, pourquoi. Ceux qui peuvent le faire, le font. Si elle n'allait pas chasser Mbia, elle n'allait jamais casser son pied. Hein. Si elle n'allait pas chasser Mbia, elle n'allait pas casser son pied. C'est ce que vous devez d'abord comprendre. Elle est tombée sur le champ de bataille. Donc nous avons même l'obligation de soutenir tous les combattants qui tombent sur le champ de bataille. Nous avons l'obligation. Nous avons l'obligation. Parce que j'ai déjà entendu un peu de polémique autour de ça, de polémique. Certains ont dit que non, on doit se concentrer sur la marche, pourquoi c'est venu. Est-ce que ça empêche l'organisation de la marche? Ça n'empêche pas l'organisation de la marche. Ça n'empêche pas le soutien de la marche. En fait, mais elle-même, elle le vit personnellement. Je vais vous dire quelque chose avant de clore ce direct. Je vais vous dire quelque chose d'important. Écoutez-moi bien. Mettez les étoiles comme ça, je vous dis. Mettez les étoiles, je vous dis quelque chose. Sinon, je parle. Mettez les étoiles comme ça, je vous dis quelque chose d'important. Ah oui, j'ai réunion bientôt. Bon, c'était juste pour blaguer. Quand je vous ai dit, je vais vous dire quelque chose d'important. Oui.
parlant du cas de Winnie Savannah, des personnes qui sont en train de dire que non, voilà, elle ne devait pas faire ça et ça, ça. Vous vous souvenez ici, pour beaucoup de personnes qui sont dans le combat depuis 2018, l'Allemagne, je vais vous prendre le cas de l'Allemagne. L'Allemagne était un grand pays d'activistes dans les années 2019-2020. En Allemagne, il y avait des activistes farouches qui étaient toujours sur le terrain. On a connu des combattants en Allemagne. L'action de Genève, les actions des casques. Vous vous souvenez que les casques des ambassades, ça a commencé en Allemagne. Donc l'Allemagne était un pays vraiment qui regorgeait des activistes. Prêts, comme on dit là. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi aujourd'hui les activistes allemands sont en train de prendre du recul. Vous vous êtes posé la question. Pourquoi est-ce que les activistes de l'Allemagne sont en train de prendre du recul? Vous vous êtes posé la question. Je vais vous dire. Vous savez que lors des différentes actions que les combattants de l'Allemagne ont réalisées avec brio, lors de toutes ces différentes actions, ils ont eu des problèmes avec la justice. Ils ont été face, non, l'ambassade du Cameroun, tout ça, il y a eu des plaintes qui ont été portées contre les combattants de l'Allemagne et qui devaient avoir un avocat pour les défendre, qui devaient faire face à la police, à la justice allemande. Et ces combattants ont enduré cela, tout seuls. Ils ont parfois fait des PayPal qu'on a partagé timidement dans les groupes de combat, qu'ils ont partagé peut-être timidement sur les réseaux, et que personne n'a vraiment porté cette cause-là pour les aider. United for Cameroun a parfois contribué dans les PayPal des combattants de l'Allemagne. Oui, on a contribué dans des PayPal. Mais ces combattants de l'Allemagne ont pris du recul parce qu'ils ont été submergés, parce qu'ils ont été dépassés par tout ce qui leur arrivait et qu'ils ont senti qu'ils n'avaient pas de soutien. Ils n'ont pas été soutenus. Ils se sont retrouvés tout seuls devant ces procédures. On ne les a pas soutenus et ils ont pris du recul dans le combat. C'est juste un exemple pour vous faire comprendre que si un combattant est en train de traverser une difficulté, nous avons l'obligation de soutenir ce combattant. Malgré nos divergences, malgré tout ce que vous pouvez dire, nous avons l'obligation de soutenir ce combattant. Parce que cela impacte sur le combat. Parce que cela impacte sur son engagement à combattre. Si nous avions aidé les combattants de l'Allemagne, ces activistes-là, aujourd'hui, ils seraient encore plus motivés. Et ils devaient être bénéfiques, ça devait être bénéfique pour nous, pour le combat. Mais à un moment, quand les gens craquent, quand les gens se sentent seuls, vous pensez que ça ne peut pas. On va beau dire que non, ils sont des grands activistes, mais chacun on est sensible, hein? On est faible aussi, hein? C'est pas parce que vous voyez les gens dire grands combattants, grands ceci. Nous sommes des humains. Avant tout, nous sommes des humains. Donc, il n'y a pas question de grands combattants là-dedans. Quand tu vas rentrer chez toi et que demain tu dois payer un avocat et que demain tu dois affronter une justice, tu sciences cela, tu es tout seul. Pourtant, quand tu allais faire l'action, tu faisais pour un peuple. Tu es tout seul. Le peuple ne te soutient plus. Ça joue sur ton moral. Ça joue sur ton moral. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons soutenir tous les combattants qui sont impliqués dans des poursuites judiciaires. Moi, quand je regarde, je prends l'exemple de ces combattants de l'Allemagne, j'invite toujours la diaspora combattante, j'invite les Camerounais, ceux même qui observent même seulement le combat, ceux qui ne veulent même pas s'impliquer, je vous invite à soutenir les combattants. On en a besoin pour booster le moral.
pour vraiment être efficace sur le terrain, les combattants en ont besoin. S'il vous plaît, soutenez le combat. Ne jugez pas les activistes, ne jugez pas, non, elle a fait ceci, elle devait... Non. Quand un combattant prend du recul, ça a un impact sur la lutte. Ça a un impact sur la lutte. Aujourd'hui, on a presque perdu l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, on ne les voit plus. Beaucoup qui étaient motivés, ils ne sont plus motivés. Parce qu'ils ont été abandonnés à un moment. Maintenant, il faut encore, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais il y a des choses à faire pour pouvoir les redynamiser. Ils restent tous des combattants. Ce sont des combattants. Mais juste, ils ont pris du recul par rapport à par rapport. Donc, c'est juste pour vous dire que Winnie Savannah, qui a pris son courage, et ce que les combattants de l'Allemagne n'avaient pas fait, c'était le fait qu'ils ne voulaient pas venir se ridiculiser comme certains disent. Pourquoi tu quémandes? Parce que vous me voyez comme ça, nous on est à United, comment on danse même pour collecter les fonds? Il y a des gens qui nous insultent que nous quémandons l'argent. Moi je danse à United depuis deux ans que United a été créé. Je danse pour collecter l'argent, pour qu'on aide les gens au Cameroun. Pour qu'on aide les gens ici. Je danse. Je ne suis pas une danseuse. Je ne partais même pas dans les boîtes de nuit. Je ne pars même pas dans les boîtes de nuit. Même les foyers, même quand j'étais petite, je ne connaissais même pas la route des foyers. J'étais une fille très, très casanière. Très casanière. Jusqu'à ce que les jours de fête chez nous, on me connaît. J'organisais même des fêtes au quartier, dans notre maison, parce que je ne voulais même pas que les gens partent même danser dehors.